Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HFR pour cette quatrième et dernière journée à la Gamescom. Nous sommes tristesse, Arthur. Ah oui, tristesse, comme tu dis. Donc là, en fait, on est sur le stand de l'Indie Boost, donc qui est consacré à tous les développeurs indépendants, comme son nom l'indique. Et donc, on a pu tester quelques jeux. Donc, le premier jeu, ça sera Star Renegades, qui est donc édité par Rofuri. Rofuri, ils ont édité quoi comme jeu assez connu, Arthur ? Alors, je me souviens plus, honnêtement, mais ils sont canadiens et, au départ. Donc voilà, donc on a pu s'entretenir avec la community manager qui m'a un petit peu présenté le projet. Donc c'est un RPG, un tactical RPG, qui a un aspect un peu particulier, puisque en fait, il a un design qui peut un peu rappeler Xenogears d'ailleurs, hein, sur certains aspects. C'est futuriste avec des robots partout. Voilà, c'est assez acidulé, c'est violet, c'est un petit peu d'ailleurs comme les couleurs qu'on a derrière nous de l'Indie Boost. Et ce qui est un peu particulier, c'est qu'il y a une barre, ce qu'ils appellent une timeline en fait, en haut, et qui fait que selon le moment où on place son attaque, sa défense, ou ses combos spéciaux, ça va faire plus ou moins de dégâts, ou plus ou moins parer les attaques des ennemis. Alors je vous cache pas qu'il y avait tout un tas de barres partout, que c'était pas vraiment un didacticiel, on était un petit peu expédié directement dans cet univers-là, donc c'était assez complexe. Néanmoins, ça avait l'air d'augurer un système de jeu assez intéressant, en tout cas plutôt original. Alors, petite chose aussi, ça reste aussi assez original pour une autre raison. On a des donjons qui sont générés procéduralement. Voilà, on m'a aussi expliqué que les ennemis allaient s'adapter tout au long de la partie, de votre partie, et donc on pouvait avoir des ennemis inédits qui allaient se construire selon en fait la manière dont vous jouez. Donc ils sont aussi générés de manière procédurale. Et si je dis pas de bêtises, j'ai vu aussi que c'était un roguelite. Oui. Donc il y a aussi cette fonctionnalité de, à chaque fois, quand tu meurs, t'apprends tes erreurs, t'apprends directement en fait les patterns des ennemis. Comme tu dis, tout est généralement à chaque nouvelle partie en fait, en gros quoi. Mm-hmm. Et donc du coup tu peux, c'est comme si t'avais un nouveau jeu à chaque fois quoi. Mais il faut aimer le style des roguelites, hein. C'est assez particulier, on va dire quoi. Le jeu sort au printemps 2020. Est-ce que pour toi, est-ce qu'ils t'ont dit déjà où est-ce qu'ils en étaient à peu près au niveau du développement ? Est-ce que tout allait bien ? Là, ils ont dit, alors amis sound designer, si vous cherchez du travail, apparemment ils en cherchent encore pour tout ce qui est bruitage en fait, les armes, tout ça. Même si moi personnellement, je trouvais que c'était déjà pas mal. Même les musiques derrière étaient franchement chouettes. L'enrobage cosmétique aussi est vraiment très réussi, enfin les graphismes. Le jeu franchement avait l'air déjà bien avancé. Faut aussi savoir qu'il y a aussi une autre spécificité là-dedans, c'est que vous êtes en fait vous avez joué à une rébellion un petit peu à la Star Wars, et donc vous allez recruter des partenaires tout au long en fait de votre aventure. Et l'une des particularités notables qui a été mise en avant lors de cette démonstration, c'est aussi le fait que quand vous perdez un œil ou vous avez une jambe cassée, c'est irrémédiable. Voilà, ça elle me l'a bien dit. Les persos qui meurent, donc là on était quatre au début, j'en ai perdu, ils étaient morts pour de bon. Ils réfléchissent aussi à intégrer après plus tard un système qui permettrait de les régénérer, mais pour le moment les ennemis disparaissent. Voilà, enfin les ennemis, pardon, les personnages jouables. Si on les perd, c'est fini. Permanent death, un petit peu à la Fire Emblem dans les modes les plus ambitieux. Voilà, donc plutôt un bon retour et un jeu à mon avis qu'on va suivre de près pour tous les amateurs de RPG, un petit peu originaux, un petit peu dynamiques, quoi. Merci Arthur, merci de nous avoir regardé sur HFR. On vous donne rendez-vous encore aujourd'hui pour de nombreuses vidéos, interviews. Et voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Ciao.